Jean-Claude, allez bien avec vous. Oui, allez bien, monsieur Jean-Claude. Allez, on fait un action. Allez, bonsoir à tous. Donc, la suite de notre aventure, ça continue. Il y a un nouveau là. Il est là, il s'appelle Jérém. Alors, souris, fais voir tes dents. Il a toutes ses dents. Alors, il y a un dentiste qui parle. Donc, notre objectif, c'est un coaching en trois parties. La première partie concerne le haut du corps avec un travail que l'on appelle isométrique. Objectif, faire durer l'effort. Un travail avec des charges semi-variables, on a 30 kg. Et on déchargera cette barre pour pouvoir travailler en dynamique. Donc on passe de l'isométrie au dynamique et on essaiera de flirter avec l'explosivité. Ensuite, partie numéro 2, c'est un travail sur les jambes. Donc il y aura une partie sur les steps, une partie sur la presse verticale. L'objectif étant de travailler, de se rapprocher de mes petits camarades de leur sport, donc avec des coups de pied lancés vers l'avant, sans charge, et de travailler la force sur la presse verticale. Partie numéro 3, c'est le dos et un challenge butterfly, donc avec une fermeture pectorale, une ouverture pectorale. C'est un coaching qui normalement doit durer entre 2h30 et 3h, on le fera certainement en deux parties. Chaque coaching, il y a une essence dans une coaching, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Donc début, corps de séance et retour au calme. Ils ont déjà dans les pattes presque 2 heures de cours, ils ont déjà du vélo, ils ont déjà du pectoral, ils ont déjà du gainage, ils ont déjà plein de choses. Donc simplement pour dire, pour ceux qui regarderont sur Face, ce sont des courageux. Donc je rappelle les noms, il y a Jean-Claude, il y a Christophe, il y a Jérémy, il y a Florent, il y a Maximus et moi-même Franck. Voilà, si vous avez l'occasion de regarder un petit peu tout ça, j'espère qu'on ne dit pas trop de bêtises, on essaie de faire des choses qui ne sont pas préparées. Il y a juste ça qui est préparé, pour ceux qui regardent, ça c'est préparé. Quelques temps, mais ce que je suis en train de dire, ce qu'on est en train de dire, c'est tout en, c'est en direct. Merci, bonsoir à tous. Présentation pour le travail, on va bosser avec barre avec 3 poudres à chaque côté. L'objectif étant de rester avec le condo 30 secondes. À partir de là, ils vont devoir envoyer 10 répétitions avec ça. Ils vont décharger la barre pour ne garder qu'un seul poudre à chaque côté et envoyer si possible 5 entraînes. Allez, on démarre les garçons. Top, c'est parti. Alors, on continue avec un travail beaucoup plus dynamique maintenant sur le développé couché. Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention aux épaules, faire attention aux poignets, faire attention à l'aménagement de cette série. Ils partent du lourd pour travailler en force explosive. L'objectif, c'est de se rapprocher de leur sport. Bien évidemment, ils ne tapent pas, ils ne font pas leur sport avec une barre. Mais l'objectif, c'est de déplacer un objet d'une façon rapide et un objet qui a du poids, force explosive. Donc, on est au quatrième bloc. Alors, qu'est-ce que tu, comment tu sens? Alors, bien évidemment, tu sens la fatigue, ça c'est clair. Tu sens du travail dans les bras, dans les poignets, dans les épaules, dans les omoplates. Mais alors, à ce stade-là, qu'est-ce que c'est qui doit faire fonctionner? Comment on peut tenir? Il travaille dans l'aveuglement aussi. Mental. Mental. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tout le passé qu'on a derrière. Voilà, tout le vécu du sportif, respiration. Bien sûr. Ok. Et puis l'effet de groupe aussi, parce qu'on est tous là. Voilà, effet de groupe, effet ensemble. Maximus, alors, impression, épaules, bras, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui est encore fort là? Qu'est-ce qui est encore fort? Ouais, commence par ça. Non, il faut pas le dire, on est à la télé. Effectivement, les pecs, j'ai mal. D'accord, on est dans les pecs. Voilà. Monsieur Christophe, toi qui aimes la musculation, mais toi qui as un passé de sportif immense. Et pas que sportif. Alors monsieur Christophe, qu'est-ce que tu sens là? Tes impressions? Les pecs beaucoup. Les pecs beaucoup? Monsieur Florent, toi qui es blessé avec la main là, mais tu es quand même là ce soir. Alors, je suis toujours là. Est-ce que tu arrives? Tu es dans des pecs? Tout dans le pec. Tout dans les pecs, dans le dos? C'est un peu le principe. D'accord. Et le nouveau, notre ami Jérémy. Allez. Je suis encore au bras là. Tu es encore dans les bras. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire les garçons pour pouvoir sentir un peu plus le travail pectoral? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Dites-moi un peu. Continuer. Ouais, continuer. Qu'est-ce qu'il y a encore comme solution? Focus sur les pecs. Sur les pecs. Concentration sur les pecs. C'est bon? Ouais. Eh bien on y va, dynamique, c'est à vous. Allez, 50. Allez, en place. Ouais. Pour avec Florent et Maximus de chaque côté, bâbord et tribord, et dans le centre du bateau, Jean-Claude, Christophe et Jérémy. Donc, position de base, les talons décollés. On y va, les haltères vers le haut. On va faire un mouvement ralenti pour monter ça à nos amis. On va porter l'haltère sur la hanche droite et taper le sol. Pression entre genoux et cheville. On remonte.
vers les étoiles, hanche gauche. Leur objectif, c'est de faire ça 20 fois. C'est parti. Alors, maintien avec le travail des obliques, maintien avec le travail des transverses. Les adducteurs sont au programme. Le dos, on allonge la colonne vertébrale, on ouvre la poitrine. Les bras sont en plein travail, deltoïdes en plein travail. Et c'est un mini break, on va dire, en quelque sorte, entre les 5 circuits qu'il nous reste à faire en développé. Couché. Allez, dernière étape, dernier circuit. Bloc numéro 10 avec 5 reps pour le final. Il restera encore à faire 50 répétitions avec une barre très légère. Jumping à partir de la chaise. Il y a un deuxième travail en même temps pour garder la dynamique du mouvement et garder le cardio avec Jérémy et Jean-Claude, avec un bras de gauche au pas haut. Et Jérémy qui essaye de faire des crochets par-dessus la tête de Jean-Claude. Et Jean-Claude essayant d'esquiver en fait son passage. Mais tout ça dans le but de rester le plus dynamique possible. Voilà. La suite donc du travail avec Florent et Maximus pour les repeaters, jambes en isolation. C'est parti. Allez, stade de travail, donc on est sur la fin de la deuxième partie, on est sur un travail de presse verticale. La presse verticale, c'est déjà le placement pour le bas du dos, le placement des cuisses. Il faut expirer au même titre que 50 kg sur le dos n'a rien à voir en presse verticale. Donc ces 50 kg, l'objectif c'est de renforcer en totalité la cuisse. Le dos est protégé, mais à ce stade-là, on ne peut pas se permettre de mettre une barre aussi chargée sur un élève. Donc continuité d'un travail extrême et il faut vraiment, vraiment, une fois de plus, aller jusqu'au mental. Cool, I spend my time just thinking, thinking, thinking about